Mae kumama e kumama kolonanga kumama. Mae kumama e kumama kolonanga. Oh kumama e kumama e kumama kolonanga kumama e. Mama e kumama e kumama kolonanga. Oh kumama e kumama e kumama kolonanga kumama e. Mama e kumama e kumama kolonanga. Oh kumama e kumama Yesu e kumama kolonanga kumama e. Mama e kumama e kumama kolonanga kumama. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Saluer ton voisin. Et dis-lui que pasteur Balingena nous salue aussi. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes vraiment émerveillés. Parce que vous avez fait une grande chose tout au long de la semaine. Et je croyais que peut-être on serait ici en deux ou trois personnes. Parce que les gens ont été vraiment fatigués hier. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont dormi peut-être à 2h du matin. D'autres à 3h du matin. Parce qu'ils travaillent encore ici. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Voilà, nous allons directement dans la Bible. Et nous lisons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 17. Non, on commence au 16e verset. 16 et 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bwana akamwambia, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Amen. 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 Okay, tu vas encore demander à ton voisin quelque chose. Utamwambia jirani yako kitu kimoja. Demande lui, quelle est la source de l'influence. Utamwambia ni nini chemchemu ya la source de votre influence. Chemchemu ya kushawishiwa kwako. Demande lui encore, quelle est la source de votre influence. Ni nini chemchemu ya kushawishika kwako. Il t'a répondu quelque chose? Je amekujibu jambo. Oh, demande lui encore, quelle est la source de votre influence. Ni nini chemchemu ya kushawishika kwako. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler de l'influence. Asubuhi leo nitazungumza kwa ajili ya kushawishika. L'influence est définie comme une pression exercée sur quelqu'un. Kushawishika ni nguvu ambayo unatumia kwa ajili ya mtu mwingine. Afin d'aboutir à lui imposer ses normes. Kwa ajili ya kumshurutisha jambo fulani. Ces normes qui sont vraiment dominantes. Kwa yale ambayo kweli yana inaweza katawala mtu. Afin que cette personne puisse changer ses habitudes. Ili huyo mtu aweze kubadilisha tabia zake. Ou changer même ses attitudes. Ou bien kushanje tabia zake. Changer ses comportements. Mwenendo wake. Changer ses façons de vivre. Kubadilisha namna yake ya kuishi. L'influence. Kushawishika. Je dis que c'est une pression qui peut venir. Ni nguvu ambayo mtu anatumia. C'est quelque chose qui vient d'en dehors, qui vient de dehors. Ni chama wewe inatoka nje. Et ça vient sur toi. Na inakuja juu yako. Pour te transformer toi. Ili kukubadilisha wewe. Toi tu marches selon des normes de quelqu'un. Ukitembea kwa mtindo fulani. Mais il y a d'autres choses qui viennent sur toi. Kuna jambo lingine linakuja juu yako. Et on t'impose de changer ce que tu as. Na inakushurutisha wewe kubadilisha mtindo wako. Toi tu crois quelque chose. Unaamini jambo fulani. Mais il y a une pression qui vient sur toi. Lakini unakuwa nguvu Hallelujah. Hallelujah. C'est ça l'influence. Ni yeye kushawishika. Et nous étant humains, na sisi kama vile binadamu, c'est vrai que nous devons être influencés. Ni kweli tunaweza kushawishika. Mais pas seulement être influencés. Lakini sio tu kushawishika. Mais aussi nous influençons. Lakini hata vile sisi wenyewe tunawashawishi wengine. Amen. Amen. Donc je vais parler de deux sortes d'influence. Nitazungumza namna mbili ya kushawishika. L'influence qui vient d'en dehors.
Ile ambayo inatoka nje, elle influence maintenant que toi tu peux imposer aux autres. Na ile ambayo wewe unaweza kushawishi wengine. Hallelujah. Amen. Quand je dis que toi tu peux imposer quelque chose à d'autres personnes. Wewe unaweza kushurutisha wengine. Et ça ça dépend des responsabilités que toi tu as. Na hiyo inatokana na hiyo jukumu ambao uko nayo wewe. Parce qu'un enfant ne peut pas influencer son père quelque chose. Mtoto mdogo hawezi kushawishi baba yake. Si tu es une autorité quelconque. Kama wewe kweli ni mtu fulani. Tu influences le groupe que tu conduis. Wewe unashawishi ile kikundi ambao unaongoza. Un parent influence sa famille. Baba anaweza kushawishi familia yake. La famille peut vivre selon l'influence de son père. Familia inaweza ishi kutokana na shawishi za baba. Le père vit que soit la famille soit là à 19h. Baba anataka familia yake wapo saa moja kamili. Et la famille va se comporter ainsi. Na familia itatembelea kwa hiyo. Hallelujah. Hallelujah. Tu peux être un chef d'entreprise. Unaweza kuwa mkuu wa kampuni. Et l'entreprise va marcher selon ce que tu veux. Na hiyo kampuni itatembea sawa sawa na kile unataka. Parce que toi tu dois influencer ton entreprise. Maana wewe unaweza kushawishi hiyo kampuni yako. Hallelujah. Hallelujah. Et même dans l'église. Hata katika kanisa. Tu es pasteur dans l'église. Uko mchungaji wa kanisa. L'église va marcher selon ce que toi tu veux. Kanisa itatembea vigisi wewe unavyotaka. C'est vrai que toi tu es l'envoyé de Dieu. Wewe unaweza kuwa mjumbe wa Mungu. Tu es le serviteur de Dieu que Dieu a mis là-bas. Wewe ni mtumishi wa Mungu ameweka mahali pale. Mais l'église va marcher selon toi. Lakini kanisa itatembea sawa sawa na wewe. Tu es chef de groupe quelque part. Uko mkuu wa kikundi fulani. Même chef de chorale. Ama tu mkiongozi wa kwaya. Chorale va se comporter selon ce que tu veux. Kwaya itaenenda kama vile unavyotaka. Parce que tu dois influencer la chorale. Maana wewe ni chef ushawishi wa kwaya. Si tu veux que la chorale chante en français. Kama unataka kwaya iimbe kwa Kifaransa. Donc la chorale sera en train de chanter en français. Kwaya hiyo itaimba kwa Kifaransa. Si tu veux que la chorale vienne à la répétition, c'est pas deux fois, trois fois par semaine. Unataka kwaya ikuje kwa mikango wa nyimbo mara tatu mara nne. La chorale viendra trois ou deux fois par semaine. Watakuja mara mbili mara tatu kwa wiki. Si tu veux que soit la chorale porte des pantalons. Unataka kwaya wavae wote mapantalons. Alors ils vont porter des pantalons. Wote watavaa hizo pantalons. Si tu veux que Noël les hommes portent soit des blouses et des jeans. Unataka wanaume wavae mablouse na ukabilo. La chorale va se comporter selon ce que tu veux. Wataenenda kadiri utakavyo. Hallelujah. Hallelujah. Et même spirituellement c'est ça. Hata kiroho ni hivyo hivyo. Vous savez quand nous sommes entrés, quand nous sommes appelés par Dieu, wakati tumeitwa na Mungu, Dieu nous donne une certaine responsabilité. Mungu ametupa jukumu fulani. Nous sommes responsables de quelque chose. Inabidi tuko le monde va marcher selon ce que nous sommes. Dunia itatembea vile tulivyo. Nous disons que nous sommes la lumière du monde. Tunasema tuko nuru ya ulimwengu. Réellement nous sommes la lumière du monde. Kama kweli tuko nuru ya ulimwengu. Il faut que nous donnons cette lumière. Inabidi tupatie ulimwengu hiyo mwanga. Amen. Alléluia. Et donc le monde va être éclairé. Dunia itaangaziwa. Si réellement nous leur donnons cette lumière. Kama sisi tunawapatia hiyo mwanga. Si réellement nous sommes lumière. Kama sisi kweli tuko nuru. Le monde aussi va marcher dans la lumière. Ni chetu ulimwengu unaotembea katika mwanga. Amen. Alléluia. Vous savez, on peut subir l'influence. Tunaweza kuchukua hiyo vishawishi. Et aussi on peut donner l'influence. Na tunaweza kushawishi pia. Et des fois quand nous donnons l'influence. Wakati tunashawishi, nous ne savons pas ce que nous donnons. Hatujui ile tunavyopana. Parce que les gens vont nous voir. Watu watakavyotuona sisi. Ils cherchent quelque chose qui va venir de nous. Watatafuta kitu kutoka kwetu. Amen. Amen. Les gens peuvent donner l'influence. Watu wanaweza kushawishi, mais aussi le monde peut influencer. Hata vile dunia inaweza kushawishi vile vile. Le monde où c'est pas le milieu où tu es. Dunia mahali wewe unapokaa. Ça peut aussi influencer. Iko pia inashawishi. C'est pourquoi nous voyons des gens soit qui sont venus de l'Afrique. Je sais tunaona watu kutoka Afrika. Ils ne priaient pas en Afrique. Walikuwa hawaombi huko Afrika. Mais en arrivant ici, ils sont en train de prier. Wakati wanafika hapa wanaanza omba. Parce que ils sont influencés par quelque chose. Maana wameshawishika na jambo fulani. Le milieu où ils sont maintenant. Mahali wapo sasa. Ça leur influence de prier. Inawashawishi waombe. Amen. Amen. Il paraît que tu ne priais pas avant. Ça zingira ulikuwa uombe. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter l'église. Lakini tangia wakati umeanza kushiriki kanisa. Peut-être même pas cette église. Haiko hata mahali hapa tu. Tu as maintenant commencé à prier. Ulianza sasa kuomba. Parce que il y a quelque chose qui t'a influencé. Maana kuna kitu kilikushawishi wewe. J'ai vu d'autres gens qui priaient hier. Naona wengine waliomba mahali fulani. Et en arrivant quelque part. Walipofika mahali pengine. Ils ont cessé à prier. Wakaacha kuomba. Parce qu'ils ont été influencés aussi par quelque chose. Maana walishawishika na kitu fulani. Amen. Amen. Ah, chez nous, c'était difficile de voir une femme soit se pas refuser son mari. Kwetu ilikuwa vigumu kuona mke anakataa mumewe. Mais il y a quelque chose qui influence même les femmes. Lakini kuna kitu inashawishi wanawake. Sasa les femmes maintenant qui refoulent leur mari. Hapa sasa ni wanawake wanafukuza wanaume. Sasa l'influence du monde. Hiyo ni vishawishi vya ulimwengu. Il faut être attentif et prudent. Inabidi uwe mwangalifu. Vous savez la société, quand la société nous influence. Wakati mali na kai inatushawishi. Ce sont des très mauvaises choses. Hiyo ni mambo mabaya. Souvent la société ne nous donne pas de bonnes influences.
Mazingira inatushawishi mara kwa mara. La société nous donne pas de bonnes influences. Mazingira haitupatie vishawishi vizuri. Mais Dieu lui, lakini Mungu yeye, il nous influence dans de bonnes choses. Anatushawishi kwa mambo mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons lire dans la Bible encore. Tutasoma katika maandiko. Le même verset que nous avons lu. Pale pale ambapo tulisoma. Nous allons encore rappeler ce verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui dit à Adam. Mungu mwenyewe anamzungumzia Adam. Avant que Dieu ne donne à Adam Eve. Mbele Mungu apatie Adam Eve. Parce que Adam était seul dans le jardin d'Eden. Adam alikuwa mwenyewe katika bustani la Eden. Dieu était content de la façon dont Adam vivait. Na Mungu alifurahia jinsi Adam alivyoishi. Parce que toutes les fois que Dieu pouvait appeler Adam, wakati wote Mungu alikuwa akimtafuta Adam kumuita, Adam pouvait facilement répondre, je suis là mon Dieu. Adam alijibu haraka, niko hapa Mungu wangu. Et maintenant c'est Dieu qui instruit à Adam. Na sasa hapa Mungu anapatia Adam maagizo. Dit non non, tu vois l'arbre que j'ai mis dans le au milieu de Adam, je umeona huo mti nimeweka katika bustani ya Eden. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Hautakula matunda ya mti huo. Parce que le jour où tu mangeras, siku utakapokula, c'est le jour où tu ni siku utakufa. Et donc il n'y avait pas encore la mort à ce moment-là. Kwa hiyo wakati hakukua kifo bado. La Bible me dit maintenant au 18e verset. Na kwa hapo mstari wa 14 Biblia inaniambia. Après que Dieu ait parlé à Adam. Wakati Mungu alikwisha kumaliza kuongea na Adam. C'est alors que Dieu s'est souvenu, oh non non non, il n'est pas aussi bon que cet homme soit seul. Leo akakumbuka kwamba sio vema huyu mtu akae peke yake. Je vais lui fabriquer quelque chose qui lui ressemble. Ni chef nimtengeneze kitu cha kumfanana. Hallelujah. Hallelujah. Après que Dieu lui a dit ceci, kisha Mungu kumwambia haya. Il reconnaît que non non, il faut qu'il soit qu'il y ait quelqu'un à ses côtés. Alitamba wewe no, ni chef kuwe mtu karibu yao. Alors Dieu créa aussi la femme. Mungu akamuumba mwanamke. Amen. Amen. Après maintenant que Dieu crée la femme, kisha Mungu kumuumba mwanamke. Nous avons quelque chose de mal. Kuna kwa mambo mabaya yaliyotokea. Il y a quelque chose de mal qui est apparu ici. Mambo mabaya yalitokea mali hapa. Vous savez, nous sommes toujours influencés par des gens. Tunashawishika mara kwa mara na watu. Nous sommes toujours influencés par le monde. Tunashawishika na ulimwengu. Il y a Dieu qui influence Adam. Mungu anashawishi Adam. À vivre selon lui. Kuishi kama vile yeye. C'est pourquoi il a dit, ndio maana alimwambia, ne mangera pas de ces fruits là. Hautakula matunda haya. Cet arbre là, mti huu, ne le touche même pas. Usiguse hata. Parce que le jour où tu le toucheras, siku utakapogusa, le jour où tu le mangeras, siku utakula, utakufa. Et donc je veux que tu puisses être influencé de cette parole. Nataka wewe ushawishike na neno hili. Hallelujah. Amen. Et c'était une bonne influence. Na ilikuwa shawishi nzuri sana. Si Adam pouvait vivre selon les commandements de Dieu. Kama Adam angeishi sawa sawa na maagizo. Aujourd'hui nous tous nous vivrons dans le paradis. Sisi wote tungekuwa tumeishi katika paradiso. Nous vivrons dans l'abondance. Tungekuwa tumeishi katika ukufanikiwa. Et il n'y aurait jamais la mort. Na hakungekuwa kifo kamwe. Amen. Amen. Mais il y a maintenant Adam avec sa femme. Adam na mke wake sasa wanakaa. Et il y a sa femme maintenant qui circule dans le jardin. Mke wake ana katika bustani sasa. Et malheureusement, oh kwa bahati mbaya, Adam il se promenait avec sa femme. Adam alikuwa akitembea na mke wake. Parce que la Bible me dit ceci. Maana Biblia inaniambia hivi. Quand le serpent a trompé Adam. Wakati nyoka alimdanganya Eva. Merci beaucoup Eva. Adam n'était pas très loin de sa femme. Adam hakuwa mbali na mke wake. Eve s'est promenée avec son mari. Eve alikuwa akitembea na mume wake. Et maintenant il y a Eve qui est trompée par le serpent. Na Eve sasa hapa anadanganywa na nyoka. Maintenant au chapitre 3 il dit ceci. Kwa Genèse chapitre 3. Mwanzo sura 3. Le serpent maintenant dit ceci. Nyoka anasema hivi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivyo ndivyo alivyosema Mungu, musile matunda ya mti yote ya bustani. Et la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Dieu a dit vous ne mangerez point. Mungu alisema musiale. Et vous n'y toucherez point. Wala musiaguse. De peur que vous ne mouriez. Musije mukafa. Je m'imagine quelque chose. Ninajiumbia jambo hapa. Parce que ces paroles ici. Maneno haya. Dieu a dit ça à Adam seulement. Mungu alimwambia haya Adam mwenyewe. Et quand Adam s'est retrouvé qu'il a maintenant une femme à ses côtés. Wakati Adam anajikuta kuna mke karibu yake. Il a commencé aussi à influencer sa femme. Akaanza mshawishi mke wake. Tu sais, unajua, l'Éternel que nous servons, Mungu tunayemtumikia, le Dieu qui nous a mis dans cette bustani, il nous a interdit de manger cet arbre. Alitukataza tusile matunda ya mti. Kwa maana alisema hivi, le jour où nous en mangerons, siku tutakula, tutakufa. Hallelujah. Hallelujah.
Adam, il a influencé sa femme. Alishawishi mke wake. Mais malheureusement, lakini kwa bahati mbaya, sa femme n'a pas accepté cette influence. Mke wake hakukubali shawishi hilo. Demande encore à celui qui est à tes côtés. Uliza aliye karibu yako. Quelle est la source de ton influence? Ni nini chemchemu ya vishawishi vyako? Amen. Amen. Quelle est la source de ton influence? Chemu n'a pas accepté cette influence. Adam, Eva, kukubali vishawishi. À ce moment-là, quand il s'est promené avec Adam, wakati alivyotembea na Adam, il y a maintenant le serpent qui était risé. Nyoka alikuwa mjanja sana. Quand il le voit maintenant se promener, wakati anamwona kitembea, il jouait, il dansait dans le jardin de Eden. Akicheza, akizunguruka. Ils étaient très contents là. Walikuwa kifurahi sana. Le serpent il se dit ceci. Nyoka kasema. Ce n'est pas possible. Haiko kawaida. Si je passe par cet homme, je ne veux pas réussir. Il faut que je passe par la femme. La femme. Femme que toi qui es ici. Mwanamke uliye mali. Faut être attentif, il faut être prudent aussi. Inabidi kuwa mwangalifu sana. Parce que souvent les serpents peuvent aussi passer par toi pour détruire même ton foyer. Anaweza kukupitia hata kubomoa nyumba yako. Quand si aujourd'hui le monde est détruit ou ce pas est en désordre. Kama leo ulimwengu umekuwa umebomoka ama kuwa na vishawishi. Parce que Satan il est en train de passer par les femmes. Ni sababu nyoka huwa anapitia mara kwa mara kwa mwanamke. Kweli. Amen. 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 Si aujourd'hui nous pouvons nous lever et dire quelque chose dans cette église, c'est parce qu'il y a des femmes fortes ici. Amen. Et maman, toi qui es ici, maman, oublie Maliapa. Une fois tu embrasses la faiblesse, wakati unakamata hiyo mazaifu yako, sache le bien que c'est l'église tout entière qui est abattue. Fahamu ya kwamba ni kanisa lote ambalo limeanguka. La responsabilité, nous n'allons pas dire non, c'est pasteur Faustin. Non, 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 ni pasteur Faustin ou tout. Femme, mama, muke. Amen. Amen. Le serpent est arrivé. Nyoka alikuwa mchanja. Il se dit non, si je passe par cet homme, akati nikipitia kwa mume, je ne veux pas réussir. Ah, sitatoboa. Il faut que je passe par cette femme. Inabidi nipitie kwa mume. Malheureusement pour cette femme, kwa bahati mbaya huyu mama, elle a accepté. Alikubali. Bien que le serpent a répété les mêmes paroles que Dieu lui a dit. Hata kama nyoka alirudia maneno ambayo Mungu aliyanena. Et même la femme le connaissait cette parole. Hata mume alikuwa akijua ya maneno. Parce que la femme aussi a répété les mêmes paroles. Maana mwanamke naye alirudia maneno. La femme aussi a dit non, réellement que Dieu a dit. Ni kweli Mungu alisema hivi. A dit que nous ne mangerons pas de ces fruits. Parce que les jours où nous en mangerons, nous mourrons. Si tutakula, tutakufa. Mais le serpent dit ceci. Nyoka kasema hivi. Nous lisons maintenant au quatrième verset. Alors le serpent dit à la femme, nyoka kamwambia mwanamke, vous ne mangerez point. Hakika. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda, macho yenu yatafunguliwa. Et que vous serez comme des dieux. Nani mtakuwa kama Mungu? Connaissant le bien et le mal. Ukijua mema na mabaya. Voilà une parole de ruse. Sikia sasa neno ya ujanja. C'est pas ce que Dieu avait dit. Sio hivi Mungu alisema. Dieu dit les jours où vous en mangerez vous mourrez. Mungu alisema siku mtakula mtakufa. Il savait que les jours où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Et vous allez maintenant, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Alléluia. Et donc vous créerez aussi. Alléluia. Il voulait leur dire seulement non. Si aussi vous voulez quelque chose, vous appelez seulement et ça apparaît. Parce que c'est ce que Dieu faisait. Et vos yeux seront ouverts. Et vous connaîtrez le mal et le bien. Et la femme s'est dit non, non. Donc Dieu nous a trompés. Directement, elle a pris le fruit. Amen. Amen. L'influence de Satan. Vishawishi vya shetani. Dieu influence son enfant Adam. Mungu anashawishi mwanawe Adam. Vivre selon sa parole. Kuishi sawa na neno lake. Et Adam a influencé sa femme. Adamu na yeye anashawishi mke wake. Vivre selon la parole de Dieu. Kuishi sawa na neno la Mungu. Mais il y a Satan aussi qui influence qui Eve. Shetani naye anashawishi Eva. Malere Adam. Ole kwa Adam. Parce qu'il a été aussi influencé. Vous savez, tu peux être influencé par la parole de Dieu ici. Mais une fois tu es dehors,
Lakini kwa sababu unaenda huko nje. Je sais pas ce que tu écoutes. Sijui nini unayosikia. Alléluia. Alléluia. Je sais pas les gens que tu fréquentes toi. Sijui watu ambao unashiriki. Je sais pas ton entourage. Sijui mazingira yako. Tu es en train de me suivre. Unanifuata vizuri. Tu lis aussi la Bible. Unasoma Biblia vizuri. Mais une fois tu fermes serment comme ça la Bible. Unapofunga tu Biblia yako hivi. C'est le monde qui t'influence. Ulimwengu sasa unaanza kushawishi. Ce sont les amis, les mauvais amis qui t'influence. Marafiki wabaya wanaanza kukushawishi. C'est la société qui t'influence. Mazingira yanaanza kukushawishi. C'est le gouvernement qui t'influence. Government inaanza kukushawishi. Je pense tout le monde qui peut t'influencer. Kila mtu yote anaanza kukushawishi. C'est très malheureux. Hiyo ni ole sana. Tu as reçu l'influence de Dieu. Ulipokea vishawishi kutoka kwa Mungu. Et tu t'es dit oui c'est vrai j'accepte cette parole. Na ukasema kweli ninakubali. Mais une fois tu tournes seulement. Na tunapotugeuza mgongo. C'est le monde maintenant qui a le pouvoir sur toi. Ulimwengu sasa ina nguvu uweza juu yako. Je vois Adam maintenant qui aimait tant sa femme. Adam alikuwa akimpenda mke wake. Il aimait tellement sa femme. Alimpenda sana. Eve maintenant a pris le fruit. Wakati Eva anakuja na tunda. Ça il faut que je partage avec mon amant. Inamidi nichangie hii na. Parce que je l'aime tant. Maana nampenda sana. Amen. Hallelujah. Vous savez moi je m'excuse de dire ça. Mtaniwea razi naposema hivi. J'ai été chassé dans la maison de mon grand frère un jour. Nilifukuzwa katika nyumba ya mkubwa yangu siku moja. Parce que il a été influencé par sa femme. Alikuwa ameshawishika na mke wake. Un jour. Yeah, mais c'est pour moi, Jean. Je m'excuse de le dire. Non, mais c'est ma vie. J'étais très bien avec mon grand frère. Tu le connais aussi, nous on pouvait partager, on pouvait causer, on pouvait jouer ensemble. Papa Moja. Mais un jour le matin. La qui ne sait pas moi, Jasubui. C'est dit notre tissé. On a joué. Ce matin, tu prends tes bagages. Comment tu as tout ce que tu veux dans cette maison. Naya la mona yataka. Tu vas chez ta mère. Voulant beaucoup voir comme ma mère. Oh le musée. Alléluia. Alléluia. Et je me suis dit seulement quelque chose. Il a été influencé. Amen. Amen. Vous savez, les femmes, je dis souvent les femmes. Wanawake. Vous êtes la source de tous les bons, et tous les bons. Si vous voulez que nous soyons de bons hommes. Si vous voulez que nous soyons une bonne église. Tenez fort les femmes. Amen. 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 Vous savez, même dans nos foyers, les foyers se comportent bien. Si la femme se comporte aussi bien, tu peux avoir de bonnes relations avec le papa de la maison. Mais si tu as de mauvaises relations avec la femme de la maison, oublie d'être dans cette maison. Les bonnes choses que tu peux peut-être croire, non, c'est papa, il m'aime beaucoup, il peut faire ceci. Jamais. Wow. Mais si tu es d'accord avec les sept femmes, non, c'est toutes les choses seront bien. Cette même femme qui m'avait fait chasser dans la maison, j'étais en très bonne relation avec elle. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Vous savez, mon grand frère avait un défaut. Je m'excuse encore une fois de le dire. Mon grand frère, il était très bon à te donner des frais scolaires. Tu lui dis, c'est Manon, on nous a demandé des syllabes. Et c'est combien? C'est $50. Chukua. Oh non, il y a des frais scolaires, on a augmenté les frais académiques. Oh, c'est combien, ok. Il n'a même pas besoin de demander. Chukua. Donc il croit à tout ce que tu veux. Anamini yote mwambiaye. Mais jamais il ne te donnera pas $10. Hata kupatia kama $10. Pour aller chercher des chaussures. Na kwenda kununua viatu. Il faut que tu te déprimes. Wewe ujishughulishe mwenyewe. Et alors cette femme, elle m'aimait beaucoup. Oui, maman alikuwa akinipenda sana. Il dit non, c'est pas comme ça qu'un petit frère peut vivre avec son frère. Mais ton petit frère n'a pas cherché na. Quand mon grand frère partait au travail. Wakati mkuu wangu anaenda kwenye kazi. Il venait non, viens papa. Écoute, papa, les kikuchas. Cherche tous ces souliers ici. Angalia ma viato. Tu peux porter ce que tu veux. Angalia la bonne chose à pouvoir. Il faut que tu reviennes si vite. Là, il faut rouler. Avant que ton frère n'arrive, on les remet là-bas. C'est ce que j'ai fait. Je vivais comme ça avec cette. Il venait de l'Église. Et des fois même des habits. Nada mangou. Tu as besoin de bien te vêtir aujourd'hui. Tu attends pas les visuels. Viens, choisis. Kucha, chagua. Choisis des bonnes chemises. Chagua, chanti amzuri amzuri. Porte ce que tu veux. Vali l'onata. Il faut que tu reviennes vite. Là, il faut rouler là. Alléluia. Alléluia. Je vivais comme ça avec cette. L'Église vit dans maman. C'est ma belle sœur, je l'aime beaucoup. Ni de maya una mumpenda sana. Mais un jour Satan l'a influencé. Et elle aussi a influencé son mari. Yeye naye akashawishi mume wake. J'ai été chassé dans la maison. Nilifukuzwa katika nyumba. Il y a maintenant Adam. Adam. Qui est influencé?
attiré par sa femme. Ameshawishika na mke wake. Bien que la femme l'aimait. Hata kama mke alikuwa mkimpenda. Dieu avait dit de bonnes paroles à Adam. Mungu aliambia mambo mazuri kwa Adam. Vous puissiez vivre comme ça. Nataka muishi namna hivi. Dieu Adam avait reçu ces paroles. Na Adam alipokea neno hili. Il veut aussi influencer la femme. Na nataka ushimishi mke wake waishi vile kama Mungu alisema. La femme aussi a accepté. Mke akakubali. Elle a été influencée par ça. Lakini alishawishika na shetani. Quelle est la source de ton influence? Ni nini chemchemo ya vishawishi vyako? Amen. 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 Je vais vous parler d'un homme. Nitawazungumzia juu ya mume mmoja. Nous allons lire dans 1 roi. Wafalme wa kwanza. 1 roi chapitre 21. Wafalme wa kwanza 21. Oh, 1 roi chapitre 21, attends, je vais vous dire le verset tout de suite. Nous lisons au 7e verset. C'est lui qui a trouvé, il peut lire. Tu sommes katika jina la Yesu. Ouais. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi, mimi nitakupa shamba la mzabibu ule na Naboti mu Israeli. Amen. 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 L'histoire de Yezebel. Historia ya Yezebeli avec son mari Akab na mume wake Akab. Nous la connaissons très bien. Najua vizuri sana. Parce que je me souviens bien la fois passée, il y a le pasteur qui a prêché sur ça. Najua hapa mchungaji alihubiria mambo haya. Il y a Dieu qui dit à Akab. Mungu anamwambia Akab. Parce que il était le roi d'Israël à ce moment-là. Yeye alikuwa mfalme wa Israeli kwa wakati. Dit à mon peuple. Ambia taifa langu. Qu'il n'aille pas se marier à opayen. Wasiende wakaoe wapagani. Je veux qu'il puisse se marier aux enfants même d'Israël. Nataka waoe kwa wana wa Israël. Vous savez, il y a les jeunes aujourd'hui. Vijana wa leo. Ils se disent toujours non, nous on va sauver ces fiancés. Nitaokoa ule mtu. On va les transformer. Nitamubadilisha. Ils viendront dans nos maisons. Wakati nakuja katika nyumba yangu. Nous avons déjà reçu Jésus-Christ. Alishapokea Yesu Kristo. Mon frère, ma sœur. Toi, tu n'as pas le pouvoir de sauver. Hauna nguvu ya kuokoa. C'est Dieu seul qui sauve. Mungu mwenyewe ndiye anaokoa. C'est Jésus seul qui peut transformer l'homme. Yesu Kristo mwenyewe ndiye anaweza badilisha mwanadamu. Il faut faire attention. Fanya angalisho. Parce que les mauvaises influences. Maana vishawishi vibaya. Ils ont souvent des forces plus que les bonnes influences. Ina nguvu kuliko vishawishi vizuri. Ne crois pas que si tu es sauvé aujourd'hui. Usifikiri kwamba kama umeokoka leo. Et donc tu vas marcher avec tous les païens de ce monde. Utatembea na wapagani wote ulimwenguni. Et tu dis non, moi je suis sauvé. Sasa mimi nimeokoka. Alors moi je vais influencer tous ces gens. Mimi nitashawishi wale watu wote. Impossible, je te le dis. Vigumu ndugu yangu. Parce que Satan a beaucoup d'influence. Maana shetani anavishawishi nguvu sana. Et toi tu as besoin de prier de chaîner beaucoup de fois. Wewe inakubidi uombe na ufunge. Afin de vaincre l'influence de Satan. Kusudi uweze kushinda vishawishi vya shetani. Il y a un homme qui m'avait dit ceci. Kuna mtu aliniambia hivi. Il y a Samson, savez Samson? Unajua Samson? Qui était choisi de Dieu. Ambaye alikuwa mchaguliwa mnaziri wa Mungu. Un élu de Dieu. Mchaguliwa mnaziri. Quelqu'un qui a été loin de Dieu. Yeye ambaye alimpakaliwa wa Mungu. Qui a été vraiment ordonné par Dieu. Alikuwa amepakaliwa na Mungu. Disons depuis le début de son âge, dans les seins de sa mère. Kuanzia tumboni mwa mama yake. Il a été choisi par Dieu. Alichaguliwa na Mungu. Mais il a été influencé par Dieu. Lakini alishawishika. La semaine prochaine, si j'aurai le temps, si on va me donner. Oui, qui je vais continuer avec ce thème. Nitaongelea na somo hili. Et je vais vous dire des 5 hommes. Ndambia naume tano. Que vous devez éviter. Mambo matano ambayo na pour ne pas être influencé par ça. Ili usiwe na usishawishike na. Alléluia. Alléluia. Satan a beaucoup plus d'influence. Shetani anavishawishi vipi? Et ya mena Akabe. Kuna huyo mfalme Ahab. Dieu lui a dit ceci. Mungu akamwambia. Dis à mon peuple. Ambia taifa langu. Qu'il n'aille pas au païen, au païen. Wasiende huko kwa wapagani. Et pour leur dire non, nous vous aimons. Tunawapenda. Nous allons vous prendre un mariage. Tutawachukua tu wale. S'ils veulent se marier. Kama tutawataka wale. Qu'ils se choisissent entre eux là-bas. Mujichague kati. Il y a de bonnes femmes là-bas, il y a de belles filles. Kuna wake wazuri wao, wazuri. N'allez pas très loin. Musiende huko nje. Les garçons ici. Vijana hapa. N'allez pas très loin. Musiende huko nje. Faut voir, il y a des filles encore amies. Kuna wadada warembo mali. Ils sont encore là. Wako wako. C'est pas bon d'aller très loin aussi. Monsieur Ndoko Inche. Amen. Amen. Dieu dit à Akab. Mungu akamwambia Ahab. Choisissez vos femmes au milieu de vous-même. Chagueni wake wenu katikati yenu ninyi wenyewe. Amen. Amen. Dis à mon peuple de choisir les femmes. Ambia taifa langu kuchagua wanawake. Au milieu d'eux-mêmes. Katikati yao wenyewe. Et maintenant c'est Akab ici. Huyo Ahab. Malheureusement.
Dieu lui a parlé à travers son serviteur. Mais c'est lui-même maintenant qui est influencé encore. Il y avait une famille qui était venue de l'étranger. Et maintenant il s'est choisi de cette famille-là. La femme qui s'appelait Jézébel. Et ils ont vécu avec Jézébel. Ils s'aimaient beaucoup. Et ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient. Mais la Bible me dit, il y avait maintenant un chat qui était à côté du chat de Dakar. Kuna shamba mbili kwa karibu na un chat de vigne. Il kwa shamba la mzabibu. Et ce chat de vigne était juste à côté du chat de Dakar. Na huyo shamba mzabibu kwa tu karibu na yeye. Maintenant, Ahab quand il se promenait dans ce chat. Wakati Ahab anatembea katika shamba lake. Maintenant, c'est dit non non. Ça pouvait être mieux que ces chats, tous ces deux chats, je pouvais bien les réunir. Et que ces chats aussi pouvaient être mieux. Et maintenant, il était furieux à cause de ça. Et en revenant dans sa maison, il n'a même pas mangé ces chats. Il était vraiment irrité. Mais comment est-ce que je vais avoir ces chats? Ah, il est parti directement chez l'homme de Dieu, Naboth. Naboth qui était peut-être quelqu'un qui n'avait rien dans la vie. Naboth alikuwa hana chochote jile. Et Ahab maintenant dit non, tu vois Naboth. Naboth ce chat je le fais bien. Nataka ili chat. Si tu veux l'argent, je vais te donner l'argent. Kama unataka pesa nitakupatia. Ou si tu veux un autre chat, je vais te donner l'autre. Nataka shamba hili tubadilishe. Mais moi je veux que seulement ce chat ici. Nataka tu shamba hili. Que ça soit mieux. Likuwe langu. Et Naboth a dit ceci. Naboth a caché. Savez, moi j'ai hérité ce chat. Najua hii shamba hili ni urithi kutoka kwa baba yangu. Ce chat je l'ai hérité mon ami. Ni urithi huyu. Et moi je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Mimi siwezi kupana shamba hili. Parce que si moi je l'ai hérité. Kama ni urithi. Peut-être aussi que mes enfants. Parce que les watoto wangu pia. Watarithi aussi de ce chat. Watarithi pia shamba hili. Et Naboth a refusé. Na Naboth alikataa kwa. Et maintenant Akabe en arrivant dans sa maison. Aliporudi nyumbani kwake. Il était très mécontent de ça. Kweli alichukia. Et sa femme lui dit mais qu'est-ce qu'il y a? Na mko mbeni nini mbaya? Pourquoi tu ne dors même pas? Je te vois qu'il y a même l'insomnie. Qu'est-ce qui ne va pas dire? Il a dit non, tu sais, ce chat là où je le voulais. Et je voulais que ce chat soit vraiment notre chat. Mais tu vois, le propriétaire a refusé. Et maintenant, il y a sa femme qui a dit, oh, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Nous allons lire cette parole. Il y a maintenant, et c'est la parole que nous avons lue au verset 7. Il dit, alors Jézébel dit, sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Amen. Ça, c'est la parole d'une femme. Une femme forte à mauvaise chose. Dans de mauvaises choses. Une femme forte. Dans de mauvaises influences. Une femme qui influence son mari. Les chats ne leur appartiennent pas. Mais il dit à son mari. Ne t'en fais pas mon mari. Viens mange ici. Koulan. Et réjouis-toi. Furai. Parce que moi la femme. Mini, je vais te donner ce chat. C'est malheureux pour une femme comme ça. Ini, Alléluia. Amen. Je ne veux pas que la femme qui est ici soit comme la femme de Dakar. Awe kama mke wa Ahab. Je ne veux pas que tu sois comme la femme de Dakar, Jezebel. Sitaki uwe kama mke wa Ahab, Jezebel. Jezebel était une femme très 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 mauvaise, je peux dire. Oui, Jezebel alikuwa mwanamke mubaya sana. Parce qu'elle avait de mauvaises influences à lui. Maana alikuwa na vishawishi vibaya ndani yake. Elle a dit non, tu sais ce que nous on doit faire. Akasema unajua vile utafanya. Il a commencé à manipuler maintenant son mari. Akaanza sasa kutumia mume wake. Vous savez, quand vous avez de mauvaises influences en vous. Wakati una vishawishi vibaya ndani yako. Vous commencez même à manipuler. Unaanza sasa hata kutumia. Une mauvaise femme dans le foyer. Mwanamke mbaya katika nyumba. Il manipule son mari. Anatumia mume wake. Et le mari fait ce qu'il ne devrait pas faire. Na mume anafanya ile ambayo hakutaka kufanya. C'est très malheureux. Dans des entreprises, même nous le voyons. Si l'homme est, disons, l'homme, le chef de l'entreprise, c'est un homme. Et il y a une femme qui veut influencer ses mains. Non, les hommes n'attendaient pas de bonnes choses dans cette entreprise. Il y aura des licenciements qui vont se poursuivre dans l'entreprise. Alléluia. C'est très malheureux. Il y a la femme qui dit à Akab.
Sois calme, moi je vais te donner les champs de Naboth. Tulia, mimi nitakupatia shamba la Naboth. Amen. Amen. L'influence, vishawishi, fait une force. Ni nguvu. Il faut être prudent pour ça. Nabidi kwa mwangalifu kwa ajili ya hiyo. Il y a des bonnes influences. Kuna kwa vishawishi vibaya. Il y a aussi des mauvaises influences. Na vishawishi vibaya. Cherchez là où tu peux trouver des bonnes influences. Tafuta ambapo unaweza pata vishawishi vizuri. Ne cherchez pas à marcher avec des mauvais hommes. Usitafute kutembea na watu wabaya. Vous marchez avec des bandits. Unatembea na wale wanyang'anyi. Vous marchez avec des voleurs. Unatembea na wizi. Ne sois pas surpris si moi je t'appelle voleur. Usishangae si moi nitakuita mwizi. Parce que je te vois en train de te promener avec des voleurs. Maana marafiki zako ni wizi. Ne sois pas surpris déjà d'appeler notre prostituée. Usishangae watu kuita wewe ni baraka. Parce que tu te promènes avec des prostituées. Marafiki wako wote ni makahaba. Parce que l'influence que tu as. Vishawishi unavyo. A une force pour toi. Ina nguvu juu yako. Et ça te fait, ça te donne un autre nom. Na inakupatia jina lingine. Amen. Amen. Tu as l'habitude de parler avec des mauvaises femmes dans les quartiers. Unakuwa na tabia ya kuongea na wanawake wabaya ndani ya mtaa unaoishi. C'est toi qui calomnie les gens dans les quartiers. Wewe ndio kusengenya watu wengine katika mtaa. Ne sois pas surpris un jour. Usishangae siku moja. De t'interpeller que non, toi tu as calomnié quelqu'un. Watakwambia kwamba ume. Et tu vas dire non, moi j'ai seulement visité cette femme là. Sasa mimi nienda tu kumtembelea mwanamke. Il me disait seulement de cette histoire. Alianza kunieleza ma historia hivi na hivi. Mais comment tu as visité une femme qui calomnie les gens? Namna gani unaweza kutembelea mwanamke kama huyo? Elle aura de l'influence sur toi. Atakuwa na vishawishi juu yako. Et tu dois changer ta manière de vivre. Na utabadilisha namna yako. Tu dois définir l'influence. Tu lui dis d'aller au bout. Et ta impression qui peut venir sur toi. Kama ni nguvu ambayo inakuchia. Et tu peux facilement transformer tes habitudes. Na ambayo inakubadilisha mwenendo wako. Ça transforme tes bonnes habitudes. Inabadilisha mwenendo wako mzuri kwa mabaya. Et la bonne influence transforme tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Na vishawishi vyema vinabadilisha tabia zako mbaya kwa tabia nzuri. C'est ça que vous voulez que ça tu peux suivre ça. Na hiyo ndio nataka ufuatilie. Parce que si tu as des mauvaises habitudes. Maana kama unakuwa na tabia mbaya. Cherche aussi les bonnes hommes. Des hommes qui ont des bonnes habitudes. C'est pourquoi les gens qui marchent, qui se promènent avec des pasteurs. Na ndio maana udoa watu ambao wanatembea na mapastors. On les appelle aussi des pasteurs. Wanaoita nao mapastors. Les gens qui se promènent avec des intercesseurs. Watu wanatembea na wale watu. Un jour, ils sont pas surpris. Il y a un appel qui vient. Siku moja shirikia. Non, Dieu aussi prie pour moi. Kuja uniombee. Et peut-être non, moi je ne suis pas intercesseur. Siku muombezi. Mais non, je te vois en train de se promener avec cet intercesseur. Na unatembea na muombezi. Alléluia. Alléluia. Parce que il y a l'influence de l'intercesseur. Maana kuko vishawishi vya muombezi. Toi. Amen. Amen. Ne marche pas avec celui qui peut transformer ta vie en mauvaise vie. Cherche à marcher avec celui qui peut t'amener au ciel. Tafuta kutembea na mtu ambaye atakupeleka mbinguni. Celui qui peut transformer ta vie. Ule ambaye anakubadilisha maisha yako. Celui qui peut t'amener dans de bonnes choses. Ule ambaye anakuleta kwa mambo mazuri. Et même dans la vie courante. Hata katika maisha ya kila siku. Si vous marchez avec des gens faibles. Ukitembea na mtu mdhaifu. N'attendez pas à faire de grandes choses. Usitarajie kufanya mambo makubwa. Parce qu'ils vont toujours te décourager. Maana siku baada ya kufunja. Ça n'est pas possible. Iya hakuna. Ça n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a échoué. Mtu alishindwa hautaweza. Marchez avec des gens qui ont la foi. Tembea na watu ambao wana imani. Ils te diront toujours ça c'est possible. Watu wameamini na wewe. Essaye et Dieu va te bénir. Na Mungu atakubariki. Dieu va t'aider. Mungu atakusaidia. Et cette parole là, na neno hilo, aura de l'influence sur toi. Itakuwa na vishawishi. Mais si souvent tu marches avec des gens qui peuvent te décourager. Kama unatembea na wale watu wakuvunja moyo. Si tu fais ça, ukifanya hii. Non, ça ne sera pas possible. Ah, haitawezekana. Si tu oses de faire ça, ukifanya hii. On va même te chasser, on va te lapider. Sasa hivi watakufukuza hata kupiga mawe. Non, 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 ça moi j'évite déjà pareil. Mimi sitaki kushiriki watu kama hao. Faut éviter déjà pareil. Inabidi parce qu'ils ne vont pas t'aider. Hawatakusaidia watu kama hao. Quelle est la source de ton influence? Ni nini chemchemu ya vishawishi vyako? Quels sont tes amis toi? Ni wanani marafiki zako? Quel est ton entourage? Ni nini ambao mazingira yako? Quelle est la société que tu fréquentes? Mazingira yako ni namna gani? Ça va influencer ta vie. Itashawishi maisha. Ça va influencer ta façon d'être. Itashawishi namna wewe. Ça va influencer même ta vie chrétienne. Hata maisha yako ya Ukristo. Ça va influencer la façon dont tu vis avec ton Dieu. Itashawishi namna unavyoishi na Mungu. Si tu es un homme de foi. Kama ni watu wa imani. Tu seras nécessairement aussi un homme de foi. Utakuwa vile vile mwanaume wa imani. Si c'est sont des hommes vraiment des pauvres hommes, des hommes qui n'ont pas de bonnes idées. Kama ni watu maskini ambao wana hata mafikara mazuri. Tu seras aussi ainsi. Na wewe utakuwa hivyo hivyo. Et que Dieu nous pardonne pour ça. Mungu atusame kwa ajili. Je veux que Dieu puisse bénir cette parole. Nataka Mungu abariki neno hili. Et la fois prochaine nous allons continuer. Na wakati mwingine tutaendelea. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu atubariki. Amen.